On va aller visiter mes collègues. Et là, pareil, on s'y pêche. Amenez-vous un appareil photo quand vous allez dans le bois? Non? Non, même pas. Avez-vous un Kodak? Si. Les non. J'ai un Kodak, mais c'est, pas vrai, c'est trop vieux. Ah, oh, ouais? Mais c'est bien petit. C'est pas gros, moi? Non. Là, j'ai demandé à Adélard, j'ai dit à Adélard, j'aimerais ça goûter à ton ex. Là, il me disait qu'Alain aussi voulait goûter depuis longtemps. Oui, Alain, le plus de salaire qu'aime ça. Ah, oh, ouais? Il est cuissant. En tout cas, si vous en restez ou si c'est possible, vous mangerez un petit wok, là. André me regardera. C'est pas agréable. Ouais, il est bon, je dis vraiment. Ça goûte. C'est-à-dire, on va vous compter l'histoire, okay. Côté des enfants, là. Mm-hmm. Comme la tête, là. Mm-hmm. La tête. Quand on mangeait, on donnait à un enfant la tête. D'abord, c'est vraiment. Puis, on disait à l'enfant, là, on mange la tête, mais fais attention. Il peut des fois être étouffé. Parce que lui, là, il trouve souvent l'argent. Quand il trouve l'argent, il avale, mais il s'en va dans sa tête. Puis l'enfant, il meurt, il rouvre pour manger le cerveau. 25 cents sort. T'avais caché 25 cents, toi? Puis là, les parents, ils ont mis 25 cents dans la tête. T'as-tu fait le ça, l'enfant, oui. Ouais. Ça qu'ils m'ont fait quand j'étais jeune. D'accord. J'ai jamais revu mon 25 cents. Arrivé ici à... Tu ne l'as pas revu. Jamais revu. T'as-tu vécu un peu dans le bois, toi, avec tes parents, Adélard? Hein? T'as-tu vécu nos amis de toi un peu? Oh, ben c'est ça, le premier ouvrage, en fait. Premier travail. C'était quoi? C'est ça, là, aller dans le bois. Mm-hmm. Premier ouvrage. Premier travail, en fait. Après des fois. Mais après vécu, ça, j'ai bûché. T'as bûché? Bûché. Après ça, j'ai travaillé sur la drape. Ça, j'ai travaillé sur la construction. Ça, j'ai travaillé sur les dermites. Pour faire juste un ouvrage, au moins. Mm-hmm. Pour me montrer des ouvrages. Est-ce que tu as vécu sous la tente un peu, Adélard? Hein? T'as-tu vécu sous la tente, toi? Ou t'as vécu dans une maison? À l'année, ma fille, à l'année. On partait ici, moi, septembre. Dans les années 55, 53. On partait ici, septembre. On arrivait juste au mois de mai, fin de mai. D'abord? Tout l'hiver sous la tente? Tout l'hiver dans le bois. T'avais quel âge? 9 mois. Ben, j'avais 16 ans, 15 ans. Et des fois, j'ai pensé, hein. Pensé des fois, les filles. Non, jusqu'à là, jusqu'à l'année 61, dernière fois, j'ai monté. Avec toute la famille, Charles, mon frère Lisa. Dernière fois, j'ai monté. Pourquoi en 1960? Ah, j'ai travaillé dans les compagnies. Après? Ça n'allait pas bien dans la chasse, ça. Pour moi, ça n'est pas bien. T'es pas chanceux. Mm-hmm. J'ai travaillé dans des compagnies. J'ai fait des larmes tous les jours. Mm-hmm. Des fois, est-ce que tu regrettes ce temps-là? Des fois, t'aimerais-tu se retourner vivre dans le bois un peu? Hein? Des fois, t'aimerais-tu se retourner vivre dans le bois? Ben, ça, pour ça. J'aimerais ça. Mais j'aimerais ça aller où qu'on avait été, moi et papa. Au moins voir une fois. C'est où? Avant, je meurs. Thomas? C'est-tu bien loin ou quoi? C'est loin, c'est du Labrador. Vous montez? Le chef avec. Tabarnouche, je suis avec ton père? Oui. Vous partiez-tu en train pour aller en là-bas? En canot. On montait par la rivière Manicouagan. Ça nous prenait un mois. Jusqu'à rendu là-bas. Des portages. C'est pas mal des portages. Tu devais être en forme, en petit pêché. Ouais, ouais. Oh, oui.
Puis Lisa a monté avec vous autres aussi? Hein? Toute la famille au complet? Oui, des fois, oui. Comment tu faisais pour aller? J'en ai 50. Ah, oui. 58, 59. T'es rendu où, là, dès lors? T'es sur le dessus de sa tête? Oui. Puis c'est quoi le morceau que t'as coupé, là? Pour mieux entendre. Ses oreilles? C'est pour mieux entendre. OK, c'est ses oreilles, ça. Ouais. C'est pour mieux entendre. Pour ça, les autres, là, comme lui, là, ou Alain, là, j'aimerais ça le montrer. Ce que j'ai appris. Un jour, là, comme les enfants, là, l'avenir, là, c'est pas vraiment ce que ça va arriver quelque chose, là, dans ça va pas tout le temps de même, là. Ça arrive, là, mettons, là, pas d'ouvrage, rien, là. Fait qu'ils ont jamais fait de... Ils ont jamais vécu dans le bois, là. J'ai dit qu'ils vont mourir ici. Il y en a qui savent même pas comment chauffer une poêle à bois. T'as-tu montré ça? Ça arrive, hein, un jour, là. J'ai dit, c'est quoi? C'est la fin du monde. Mais ceux qui connaissent, connaissent la chasse, la trappe, ils vont savoir comment faire pour vivre dans le bois. Ça, c'était du son œil. Hein? C'était du son œil, ça? Ouais. Je vais te prendre en dessous. Je fais pas ton aligne, je vais faire dans mon conduit. On va te déculotter, on va t'enlever le pyjama. André, sais-tu comment allumer un feu? Comment allumer un poêle? Non, je sais pas. Oh. J'ai dit, André, peut-être. Bon, si je n'étais pas capable, je restais quand même sous les couvertes. Ça ne posait pas de problème. Il faut acheter une bonne sleeping bag. André, regarde ça, les dents, André. Oh, là, des belles dents. Fais le collier, André. Je m'en fais pas avec ça. T'es en fait de lit?